À tu seul, Saint. À toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. Amen. À jamais. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi tu seul saint. Alléluia, à toi tu seul saint. À tous nos amis, un salut. C'est un plaisir de recevoir Dr. Léandre ce jour-ci. Donc, Dr. Léandre qui prend la surtout par les noms de grossesse multiple. Salut à nous toutes, bienvenue. C'est un plaisir pour nous recevoir Dr. Léandre, Dr. Frickson Léandre, un docteur non capable de dire qui passait de présentation. Et donc, qui pral la censé parler avec nous aujourd'hui, hein, sur ça qui a rapport avec grossesse multiple. Il est passé comme un bail docteur. Hein? Docteur Léandre, est-ce que vous là, docteur? Mon yo dit au grand pile temps, vous pas attendre où? Est-ce que vous là, doc? Bon, nous retournons après pause là. Donc, c'était une pause qui était très, très, très longue, mais cependant, c'était indépendamment de volonté, non? Mais quand même, nous retournons pour nous continuer avec le sujet qu'on a parlé matin. On a pas nous rappeler qu'on a parlé de grossesse multiple. Et aussi, nous allons voir comment risquer par rapport avec pour maman et aussi pour tout le monde qui est à côté. Donc, nous disons que grossesse multiple, nous te dit ça déjà. Donc, il y a encore les gestations multifétales. Donc, on est capable de dire grossesse multiple ou bien gestation multifétale. Donc, c'est par définition, c'est le développement de deux ou bien plusieurs fœtus dans la cavité utérine. En dedans matrice fia, il y a deux ou bien plusieurs l'autre timoun qui a développé en dedans matrice fia. Maintenant, nous dit que timoun sa yo qui sorti dans grossesse ça, yo capable gagner patrimoine héréditaire, yo capable sorti de même papa, tout comme ça nous parler de F homozygote. Et puis, il est capable de sortir des patrimoines héréditaires différents, on parle de ça des F hétérozygotes. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable de sortir dans le même papa, tout comme il est capable de sortir dans un papa différent. Lorsqu'il sort dans le même papa, nous relève ça, donc F homozygote. Et lorsqu'il sort dans les deux papas, nous parle de ça F hétérozygote. Mais, l'on parle de grossesse multiple, il est différent de ça, nous relève grossesse hétérotopique ou bien grossesse double ectopique. Donc grossesse hétérotopique là lui-même c'est une grossesse c'est mon qui gagne deux petits monde qui a développé c'est grossesse hétérotopique là mais cependant gagne un qui a développé en dedans matrice là gagne un qui a développé en dedans qui pas développé en dedans matrice là c'est ça n'est capable reler grossesse ectopique pour une grossesse pour un monde qui gagne seul petit monde et puis qui pas développé en dedans matrice là nous ça grossesse ectopique c'est ça mais cependant les mon est capable gagne qui développé dans trompe là qui pas développé dans matrice et puis on développé dans matrice nous parler ça de grossesse hétérotopique tout comme nous capable gagne grossesse double ectopique on développé dans chaque trompe yo tout ça donc c'est ça nous parler de grossesse ectopique mais qui est différent de grossesse multiple et nous pour continuer nous dire que grossesse multiple ça OK aussi il gagne des risques c'est une grossesse qui a un peu de risque et pour maman et pour petit monde sont une grossesse qui a un risque élevé donc c'est ça qui fait les nécessités une surveillance particulière donc les besoins une surveillance qui bien approfondie ensuite pour capable mener mon nom vers un dépistage très bonnet mon nom dès que on connaît un rapport sexuel donc ou pas menstruation donc si c'est on vérifie on confirme que on enceinte et bien dès que on confirme que on enceinte donc le plus tôt que possible c'est pour que on cherche connait comment ti mon a développé dans premier trimestre comment l'a développé combien ti mon yoyé ensuite qui position généralement c'est ça donc pour chercher connait ensuite dès que on fin connait on gagne 2-3 ti mon qui a développé à dedans et bien ça va permettre ou connait qui surveillance de conseil avec médecin surveillance pour faire et aussi les accouchements arrivés pour capable aller dans un centre qui spécialisé qui capable répondre avec toutes les critères que ça mandé dans cadre d'une grossesse multiple.
Nous disons que les complications sont pires, les complications sont capables pour maman. Ensuite, il y a augmenté le risque de mortalité maternelle et aussi le risque de mortalité donc, néonatale. Donc, ça veut dire que les risques sont capables de mener beaucoup de complications. Jésus-Christ, le roi. Pour nous dire bien, grossesse multiple, donc plusieurs types ont développé en dedans monde, ça c'est pas un phénomène qui fait paraître. Donc c'est un bagage qui est noté depuis 945 en Arménie, il a décrit les premiers jumeaux accolés. C'est depuis en 945. En 1689, il y a eu le premier cas de séparation jumeaux conjoints, donc il a fait ça par un médecin allemand. En 1811, il y a eu la naissance des frères Eng et Cheng Bunker à Siam, donc en Nouvelle-Thaïlande, c'est ça que vous parlez, donc capitaine de parler des bébés siamois, donc parce que ça premier bébé à coller, ça a été découvert à Siam, en Nouvelle-Thaïlande. En 1875, j'ai fait première description du syndrome transfusé par un Allemand qui est Friedrich Schwartz. Donc c'est-à-dire, on parle des syndromes transfusé, n'a pas pour nous plus devant. Donc c'est le cas de deux petits monde qui a développé mais yon sous ces lotes. Yon sous ces lotes là. Donc n'a pas pour expliquer ça plus devant, syndrome transfusé et que yon développé normalement et que l'autre dans lui-même l'initiatif donc par rapport avec ça qui est normal là. Donc nous dit que en 1945, yon découvre première description de ça le syndrome du jumeau évanescent. Donc syndrome du jumeau évanescent encore n'a pas pour nous parler de lui plus devant. Donc jumeau évanescent encore c'est deux petits monde qui t'a développé et que gagnon qui mourit et puis l'autre là lui-même les continuer la route. N'a pas pour nous expliquer ça puis devant dans cadre conférence émission que nous gagne matin que nous rappeler on a parlé de grossesse multiple. Donc, c'est-à-dire grossesse multiple en lui-même, donc c'est un sujet, donc c'est-à-dire de nos jours, nous comprenons qui taux augmenté, donc taux de décidence de grossesse multiple lui augmenté. Mais facteur en pile, facteur qui rend ça phénomène ça venir augmenter comme ça, donc il en pile. Donc à travers la présentation ça, nous espérons que donc on va mieux éclairer donc à la fin. Déjà nous souhaitons bonne édition, continuez tant de nous parce que c'est toujours un plaisir chaque fois nous avons possibilité pour nous partager et tout ça que nous gagnons avec vous dans cadre et Radio Forum 12 FM. Hosanna. Glorifié, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 que notre roi soit glorifié, ça c'est le titre de cette musique, c'est bien sûr Majesté, retrouvée sur l'album de la sœur Monise B. François, un album titré Qui t'est bon Dieu agit, c'est ça le titre de l'album. Ce matin, on reçoit le docteur, on reçoit le docteur Frickson Léandre, qui surtout a parlé de questions grossesse multiples. On a pris tout ensemble avec docteur Léandre. Ok, nous dit que fréquence grossesse gemelleur, la grossesse multiple, c'est grossesse gemelleur qui est plus fréquent. Donc nous capable de tripler, quadripler, quintupler, mais cependant c'est grossesse, c'est jumeaux, donc c'est deux petits monde qui est plus fréquent. Donc nous dit que en Afrique ça représente environ 2.2%, en Europe ça représente environ 1.1%, et nous dit que fréquence ça li augmenté et généralement donc surtout avec monde qui pas pratiquer fécondation in vitro, monde qui gagne des problèmes et qui pas ca donc qui pas ca qui gagne problème infertilité,
Donc, en plus, il y a un recours à la fécondation in vitro, donc méthode procréation assistée. OK? Là, on va courir avec le système, ça nous dit que ça permet d'augmenter vraiment le taux de grossesse gemellaire. On nous dit qu'Afrique détend de moitié grossesse gemellaire donc qui gagne à travers le monde. Afrique, dans l'Afrique, on a nous gagne plus qu'à ça. Donc, pays développé, nous avons un taux gemellaire qui est inférieur par rapport avec pays qui en voie de développement. Yo. Et nous dit que surtout les augmenter avec méthode PMA qui c'est procréation médicalement assistée. Donc là que mon a un problème de fertilité assez souvent, donc c'est ça il recourir pour capable faire ouais comment possibilité pour mon capable sortir d'un problème de fertilité ça. OK, nous dit que grossesse multiple les font grossesse à risque parce que donc nous dit que 20% prématuré qui sortit dans grossesse ça yo, donc généralement prématuré et nous gagnons 7% de grands prématurés. Nous gagnons risque de retard de croissance en utero pour timon yo qui doit pas grandir. Nous gagnons mort fœtale en utero, timon yo qui va mourir, ça risque à augmenter. Et ensuite nous parler de syndrome transfusé, ensuite de souffrance fœtale qui va venir avec ça. Donc c'est ça qui gagne dans en cas de grossesse multiple. Mais yon grossesse normalement qui ça y est. Yon grossesse ensuite, un phénomène qui est développé donc, depuis fécondation jusqu'à l'accouchement. Pendant ce temps, le petit monde d'abord passe dans le stade d'embryon, ensuite il vient dans le stade fœtus, et bien, donc finalement, pour qu'il soit développé dans la cavité utérus. Toutes les fois que la grossesse n'est pas développée dans la cavité utérus, donc c'est ça, nous parler de grossesse ectopique. Mais chez un monde qui a un cycle régulier, nous 28 jours, donc durée moyenne de yon grossesse, c'est 280 à 290 jours. Donc, soit si on a compté dans la semaine de grossesse, donc chaque semaine, yon, l'étape dure environ 40 et jusqu'à 41 semaines et 3 jours. Donc, à partir de 41 semaines, donc, depuis qu'on quitte 41 semaines, on commence à parler de grossesse prolongée. Donc, c'est ça, en temps normal, yon grossesse. Mais pour une grossesse normalement, il faut rencontrer des spermatozoïdes, des ovules. Donc, spermatozoïde rencontré avec ovule. Et puis, maintenant, donc, et puis, ça va permettre de fusionner. C'est ça, nous avons les fécondations. Ensuite, donc, œuf ça qui fécondé, il est supposé migrer pour venir dans la cavité utérus. Ensuite, pour le développer, donc, normalement, pour les transformer, ensemble, des modifications, ça ensuite, pour capable de gagner la naissance d'un bébé. Donc, c'est ça qui gagne dans la grossesse. Mais cependant, il y a des cas qui passent. Donc, pendant la fécondation, ça. Donc, il y a des phénomènes qui passent, donc qui aboutissent avec ça, nous, les grossesses multiples. Nous disons que grossesse multiple, ou bien jumeaux, est capable de venir de deux façons. Il est capable soit homozygote, il est capable soit hétérozygote. Maintenant, nous allons parler de ça, nous, les superfécondations. Pour superfécondation, ça lie les mêmes. Superfécondation, c'est que c'est lorsque il y a une fécondation de deux ovules, ou bien plus que deux ovules, pas des spermatozoïdes qui sortent dans des papas différents ou bien dans des rapports sexuels différents. Superfécondation elle-même, comment elle fait, c'est que donc il y a des filles donc qui normalement en temps normal filles supposées libérer un ovule chaque mois. Donc ça veut dire à chaque menstruation filles libèrent un ovule donc ils prêt pour le porter un petit monde. Mais cependant on connaît filles qui ont des ovaires donc et ovaires ça eux-mêmes donc ça veut dire il y a des fois que ovaire là il doit bailler plus que un ovule. Mais toutes les fois que ovaire là li bay plus que yon ovule et que fille lui-même li gen des rapports sexuels qui rapprochés soit avec même papa ou bien avec des papas différents et bien nous capable développer ça les problèmes de superfécondation. Donc c'est-à-dire gen yon premier ovule qui là qui sorti li fait une spermatozoïde li coller. Bon deuxième et bien li fait un autre spermatozoïde soit c'est dans même papa ou bien papa différent et que ça bay naissance avec yon deuxième. Donc c'est-à-dire les deux yo va développer dans la cavité utérine. Donc, si que c'est ces deux papas différents, on va les zygotes. Alors, notre superfécondation, c'est lorsque il y a deux ovules qui, ou bien plus que deux ovules, eh bien, qui fécondés par, qui rencontrés par des spermatozoïdes, par plusieurs spermatozoïdes qui sortent dans des rapports sexuels différents. Donc, mais le plus souvent, nous observons ça dans le cas des jumeaux et hétérozygotes, donc, c'est-à-dire, donc, ils ont développé chaque dans le compartiment par eux. Gyon l'autre thème encore nous voulons barou c'est superfétation. Donc superfétation lui-même ça non plus observé dans cas des animaux. Il y a pas découvert ça carrément mais cependant ça lié superfétation lui-même c'est que c'est fécondation et implantation de
un deuxième ovocyte dans l'utérus là qui était déjà gagné une fécondation d'une ovulation précédente. C'est-à-dire donc c'est des cas de monde qui gagne des pas monde. Donc généralement on peut observer le monde, c'est des animaux qui gagnent deux cycles menstruels dans la même période. Donc c'est-à-dire des gagnent un premier cycle et puis ils ont ovule qui sécrété. Donc les jeunes spermatozoïdes yo a collé. Donc ça c'est un et deuxièmement vient gagner un lot ovule qui libéré plus tard qui vient rencontrer un lot spermatozoïde plus tard. Eh bien et nous dit que fécondation ça il vient féconder après. Donc c'est-à-dire malgré à développer, eh bien c'est ça que faire ou on doit ouais. Donc les animaux ça eux pas fait tout ils pas fait tout va faire tout ti bête yo dans même période. Donc on doit ouais il te fait un là et puis il a fait un puis d'avant ou bientôt si ça veut dire. Donc c'est ça, mais nous observer ça il doit féconder plusieurs fois. Donc non, moi mais nous dit que phénomène superfétation n'ont pas vraiment il pas développé qu'un monde, mais cependant c'est un phénomène qui existait ou pas jamais connaît, c'est toutefois pas gagne un monde qui est capable de développer la caille. Donc c'est comme ça et avec docteur Frickson Lyon n'a pas parlé sous ça qui rapport avec grossesse multiple monde qui enceinte plusieurs timoun ou bien monde qui enceinte plus que yon timoun à la fois. C'est ça n'a pas prendre avec docteur Frickson Lyon. Moment pour nous continuer rester parce que gagne en pile bagaille pour que nous apprendre jodi a avec docteur. OK, nous on continuer avec on continuer. Donc c'est-à-dire que nous dit que donc yon grossesse normalement c'est lorsque yon ensemble de phénomènes, c'est un ensemble de phénomènes qui déroulé depuis la fécondation jusqu'à l'accouchement. Et que nous dit que fécondation c'est un ovule avec un spermatozoïde et que dès que ovule là rencontre spermatozoïde là et puis yon fécondé. Ça phénomène ça est développé le plus souvent dans le tiers externe de la trompe de Fallope. Notre trompe là qui c'est une noyau utérus là, donc les deux cônes. Donc c'est-à-dire le tiers externe trompe là, c'est que spermatozoïde monté puis yon rencontre ovule là. Donc c'est ça. Et que dans ensemble de phénomènes ça embryon timon OK donc ça qui a développé à le fœtus embryon fœtus et puis pour capable venir à nouveau-né et puis qui développer dans cavité utérine. Donc dans les cas où il pas développé dans cavité utérine, ça nous parler de grossesse ectopique ou bien extra-utérine. Donc voilà, c'est ça. Et cependant on dit que on fait qu'un cycle menstruel irrégulier, donc ça a duré environ et 280 à 290 jours et soit 40 semaines et jusqu'à 41 semaines. Mais au-delà de 41 semaines, nous parlons de grossesse qui est prolongée. Donc nous dit que donc c'est-à-dire dès que ovule rencontre spermatozoïde, nous laisse sa fécondation et ensuite il a migré pour venir dans cavité utérine pour capable faire venir ça l'aile dans cavité nous laisse sa nidation. Ça pour phénomène ça passer donc environ entre 6e et 7e jour après que yo fini rencontrer. Donc ensuite, nous dit que gagne un ensemble de divisions avec ovule la spermatozoïde fini rencontrer, gagne un ensemble de divisions qu'il a fait. Et ensemble de divisions ça yo en fonction de leur division ça a fait là. Donc eh bien ça capable responsable de qui type de grossesse gemellaire que bon ça capable gagner. Donc il capable gagner une grossesse gemellaire, nous dit grossesse gemellaire capable monozygotique ou bien capable dizygotique. Grossesse gemellaire monozygotique là lui-même. Donc c'est que c'est un seul spermatozoïde, un seul ovule, mais cependant dans au cas de division et que il va le transformer. Gain pour ça nous les grossesses hétérozygote là, les mêmes c'est que gain deux spermatozoïdes, deux ovules ensuite. Donc ensuite déjà nous gain deux êtres qui développé à travers rapport ça. Donc mais pour cela nous pour en guise de rappel encore, gain ça les superfécondations. Superfécondation nous dit que c'est lorsque gain fécondation des deux ovules ou plus par des spermatozoïdes issus de rapports sexuels distincts. C'est-à-dire que il y a deux ovules, les filles normalement nous dit filles à supposer libérer un ovule chaque mois, mais cependant il y a des fois que libérer il y a des situations qui fait filles à libérer deux ovules. Donc pour font filles qui libérer deux ovules et qui pas libérer donc le même jour, on nous dit que ovule même il a une capacité de vie entre 24 à 48 heures et spermatozoïde on dit de vie de 48 à 72 heures. C'est-à-dire que donc mon ovule s'est libéré depuis hier, donc ça veut dire donc matin à soir il rencontrer un autre partenaire, ça capable briver que l'autre ovule lui-même il est possible de fécondation. Donc c'est ça et puis nous dit que fécondation super fécondation lui-même il est capable fait soit pour même papa ou bien pour des papas différents. Il est capable fait pour même papa ou bien pour des papas différents
Et puis, c'est sa situation, ça. Donc, normalement, nous dit que si le papa est différent, les gens parlent de superfécondation hétéroparentale. Superfécondation hétéroparentale. Donc, maintenant, on observe le phénomène ça le plus souvent dans le cadre des jumeaux dizygotiques. Donc, ils sont différents. Maintenant, pour superfétation les mêmes, ça, c'est que tu as une fécondation déjà, tu as une yon ovocyte qui déjà implanté, donc yon œuf qui déjà implanté, et puis vin gen l'autre fécondation encore, vin gen l'autre ovule qui libéré, yon l'autre spermatozoïde qui rencontré, vin gen l'autre produit encore qui implanté. Mais ka sa yo pas observé le plus souvent dans cadre de race humaine parce que c'est plus souvent dans cadre d'animaux, mais superfétation nous ne sait pas si ça ne pourrait pas arriver dans les temps à venir chez les êtres humains. Donc il n'est que d'attendre. Mais quand même, nous connaissons superfétation lui-même, c'est que tu as un fœtus qui est déjà implanté, il y a un deuxième encore. Donc, c'est ça, nous relève superfétation. Donc, encore plus avec Dr. Fritzson Leand. Maintenant, pour nous parler de classification de grossesse multiple, si nous considérons le type gemellaire là, nous disons qu'il y a deux types de capables. Les capables et les capables homozygotes. Les hétérozygotes là, nous disons que là, c'est que c'est deux spermatozoïdes, deux ovules. Mais là, les homozygotes là, ou bien les monozygotiques là, les hétérozygotes, nous dit deux spermatozoïdes, deux ovules. Mais les monozygotiques, c'est que les gains, yon spermatozoïde, yon ovule. Maintenant, si c'est deux spermatozoïdes et puis deux ovules, là, nous dit que ça sont grossesse bicoriale biamétrique. Coyon, c'est mon premier membrane qui enveloppe donc fœtus là. Ensuite, nous gagnons cavité amniotique là. Donc, c'est cavité qui vient former pour développer fœtus là, donc externe. Donc, c'est-à-dire, c'est dans là, chaque compartiment par chaque petit champ par dans le cadre de grossesse hétérozygote là. Mais dans le cadre de grossesse monozygotique là, là, nous gagnons seul spermatozoïde, seul ovule. Donc, maintenant, ça va dépendre des moments de division en fait là. Moment de division en fait là, et bien, c'est ça qui va déterminer qui type de grossesse mon a gagné. Maintenant, si division, nous dit si division en fait très précocement avant 3 jours, et bien, mon ça, il y a bien une grossesse et gemellaire qui, normalement, qui développé comme si c'était hétérozygote. C'est-à-dire, ils ont développé à part. Donc là, mon capable, il y a des filles, des garçons, pas qu'on est, parce que y a pas, là, il n'y a pas jumeaux identiques. OK? Parce que là, donc, chaque cavité par eux. Maintenant, si division en fait un peu plus tard, soit 3 jours, entre 3 jours et 7 jours, maintenant là, nous avons une grossesse monocoïale, ok, et biamniotique. C'est vrai, il y a deux cavités, il y a deux cordons ombilicales, mais cependant, il y a une seule grande cavité et il y a développé. Maintenant, si nous disons division en fait un peu plus tard, toujours entre 8 et 13 jours, eh bien, là, ça, nous venons une grossesse monocoïale, monoamniotique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une seule membrane. Non, une seule membrane interne, une seule membrane externe, donc il y a développé. Donc là, c'est ça, nous dit que jumeau ça, le plus souvent, jumeau identique. Ok, nous dit vrai jumeau. Maintenant, si ça nous est en division en fait après 13 jours, eh bien là, nous gagnons les cordons bifurqués, nous gagnons, nous capables de gagner un cordon unique, un seul cordon, et puis là, ça nous parle des jumeaux conjoints. Donc, jumeaux conjoints et ou bien jumeaux si à moi, ça c'est la division en fait après 13 jours. Et puis, là, ça, le plus souvent, c'est là, nous avons tête à coller, thorax à coller, anus à coller, ou bien tout, différentes parties dans le corps capables de coller. OK? Donc, ça veut dire en fonction de qui partie qui colle dans le corps, eh bien, chaque ça, il y a différentes appellations. OK? Donc, c'est ça qui produit le plus souvent lorsque la division est faite un peu plus tard. Lorsque la division est faite un peu plus tard, donc, nous gagnons ensemble de phénomènes qui sont développés. Donc, c'est ça qui par rapport avec classification de grossesse multiple que nous avons parlé maintenant. Là. Maintenant, facteur qui engendre ça. Parmi les facteurs qui engendre grossesse multiple, c'est que c'est soit nous gagnons des facteurs héréditaires, donc si mon a un grand-parent ou bien maman t'es contre faire grossesse multiple, t'es contre faire plusieurs petits monde, donc les mêmes aussi il y a une possibilité pour le gagner tout. Par exemple, si ou bien tout les sautis dans une grossesse multiple, les plus souvent les capables de faire les mêmes les bail grossesse multiple aussi. Facteur ratio, donc si nous prenons ratio, nous voyons race qui plus bail grossesse multiple, c'est race africaine. Ensuite, si nous devons une point asiatique inférieur avec européenne qui un petit peu plus. Ensuite, nous gagnons race africaine dans les mêmes, c'est eux-mêmes qui baissent plus. Maintenant, deuxième facteur qui est capable d'engendrer grossesse multiple, c'est l'âge. Vous observez que entre 35 à 40 ans, un bien pic augmenté pour mon faire plusieurs timons.
si gagne grade multiple. Donc si mon nati gagne fait plusieurs ti monde déjà, donc il a dit faire plusieurs ti monde déjà, et bien risque d'augmenter aussi pour capable gagner des grossesses multiples. Donc soit non seulement par espace cavité utérine et aussi donc gagne doit plus que mon nana l'âge 35 à 40 ans. Donc là ça c'est nombre d'ovules qui doit bailler beaucoup plus d'ovules qui davantage au niveau de bayonic à bailler plusieurs, donc ça risque d'augmenter. Ensuite facteur sexuel, c'est que et observer un nouveau couple, donc nouveau couple ou bientôt monde qui fait rencontrer. Donc un nouveau couple, c'est-à-dire c'est des monde qui normalement qui pratiquent rapport sexuel rapproché. Donc pour monde ça aussi capable gagner ça nous relé et risque de grossesse multiple, c'est-à-dire depuis il y a un ovule qui t'a fait erreur après principal là, et bien monde ça tellement rapproché dans rapport sexuel, yo ça capable arriver li développer aussi. Ensuite, nous disons que les facteurs hormonaux, si par exemple, il y a des hormones qui n'ont quoi qui ont les FSH, si FSH a augmenté au moment ovulation, eh bien, ça capable d'arriver à engendrer au moment de fécondation, capable d'engendrer donc phénomène ça de grossesse multiple. Et nous disons facteurs géographiques, donc géographique là, en fonction de qui est à rejoindre, par exemple, si nous considérons les Africains, donc c'est ça. Ensuite, si nous prenons saison, par exemple, nous considérons dans le moment chaleur, c'est que là encore, il risque d'augmenter pour nous avoir des grossesses multiples. Ensuite, stimulation ovarienne, c'est-à-dire si des monde li pa ka li gen des médicaments la prend ou bientôt li pa ka enfanté, donc c'est des méthodes il y a pour stimuler donc ovario pour produire ovulio, donc méthode de procréation yo fait aussi faire fécondation in vitro, tout ça augmente le risque pour gagner grossesse multiple. Donc ça c'est ensemble de facteurs qui à la base de ça. D'accord, docteur Frickson, Leand. Salut. Nos pommes, c'est Wilson de Ronette, l'un des frères de Ronette. Alors, t'es contre, yon fanatique, mademoiselle. Lady Deronette, est-ce que nous pas écrit musique d'amour? Elle y expliquait mon histoire, comment elle était contre un petit jeune garçon, l'université, côté l'été. Et puis elle dit comment je suis parlé avec lui, qu'on y a eu marié, y a eu petit. Step by step, moi écrit musique, ça va nous poser ça. Tendez comment jeune garçon était contre elle, tendez ça le dit. T'as aimé parler avec elle, t'as aimé causer avec elle. T'as aimé avec ou, t'as aimé à la caillou, mademoiselle. I would like to talk to you, I would like to speak with you, I would love to talk with you. T'as aimé mon défarant, s'il possible pour nous remer. T'as aimé chita avec ou, t'as aimé dîner avec ou, oh yeah. Can I talk to your parents, I would like to ask for you. I would like to sit with you. I wanna have dinner with you. Darme kembe me ou, darme gade ou nange. Darme albol en mer, darme boti bel glag. I would like to hold your hand. I would like to see your eyes. I would like to go swimming. I would like to see you smile. Mwe vle à l'église avec ou, mwe vle à côte pasteur ou. We passé des moments inoubliables, baby. Let's go to church. Let's go see pastor. Let's go get ready to get. Let me show you how to step. Come on, here we go. Step by step, one, two, three. Step. Ah oui, step by step, c'est comme ça tout bas y a commencé, hein? On commence petit pas, jusqu'à ce qu'on arrive dans le moment grossesse là. On continue ensemble avec Dr. Frickson Leandre. Docteur? Facteur qui engendre ça. Parmi les facteurs qui sont capables d'engendrer grossesse multiple, c'est que c'est soit nous avons des facteurs héréditaires. Donc, si mon intérêt est un grand-parent, ou bien maman, tu es contre faire grossesse multiple, tu es contre faire plusieurs petits mondes. Donc, les mêmes aussi, il y a une possibilité pour le gagner. Par exemple, si ou bientôt les sautis dans une grossesse multiple, les plus souvent, les capables de faire les mêmes, les bails grossesse multiple aussi. Facteur ratio, donc si nous prenons ratio, nous voyons race qui plus bails grossesse multiple, c'est race africaine.
Ensuite, si nous disons une pointe asiatique, inférieure avec européenne, qui un petit peu plus. Ensuite, nous avons l'Afrique qui bat plus. Maintenant, deuxième facteur qui est capable d'engendrer grossesse multiple, c'est l'âge. Vous observez que entre 35 à 40 ans, un bien pic augmenté pour nous faire plusieurs timons. Si vous avez un grand multiple, donc si vous avez fait plusieurs timons déjà, donc, il y a des différents. Fait plusieurs timons déjà, et bien, risque d'augmenter aussi pour être capable de gagner des grossesses multiples. Donc, soit non seulement par espace cavité utérine, et aussi, donc, il doit, puisque mon nom a l'âge 35 à 40 ans, donc là, ça, c'est le nombre d'ovules, il doit bailler beaucoup plus d'ovules qui davantage. Au lieu de bailler, il y a bailler plusieurs, donc ça risque d'augmenter. Ensuite, facteur sexuel, c'est que, il observe un nouveau couple. Donc, nouveau couple, bientôt, monde qui fait rencontrer. Donc, un nouveau couple, c'est-à-dire, c'est des monde qui, normalement, qui pratiquent le rapport sexuel rapproché. Donc, pour le monde, ça y est, aussi capable de gagner, ça nous relève et risque de grossesse multiple. C'est-à-dire, depuis que on ville qui t'a fait après principal là, eh bien, le monde, ça y est, tellement rapproché dans le rapport sexuel, ça est capable de les développer aussi. Ensuite, nous disons que les facteurs hormonaux, si par exemple, il y a des hormones qui n'ont pas qu'il y aurait les FSH, si FSH a augmenté au moment d'ovulation, eh bien, ça est capable de les engendrer au moment de fécondation, capable d'engendrer donc phénomène ça de grossesse multiple. Et nous disons facteurs géographiques, donc géographique là, en fonction de qui est à jeune, par exemple, si nous considérons l'Africain, donc c'est ça. Ensuite, si nous prenons saison, par exemple, nous considérons dans le moment chaleur, c'est que là encore, il y a augmenté pour nous des grossesses multiples. Ensuite, stimulation ovarienne, c'est-à-dire si des gens n'ont pas de médicaments à prendre ou bientôt n'ont pas de cas enfanté, donc c'est des méthodes y a pour stimuler donc ovaire pour produire ovule, donc méthode de procréation, fécondation in vitro, tout ça augmente le risque pour gagner grossesse multiple. Donc ça c'est ensemble de facteurs qui à la base de ça, de grossesse multiple. Ensuite, nous dit que maintenant comment on fait connaître ça? Eh bien, c'est généralement dans premier mois de grossesse, c'est que donc on va chercher facteur héréditaire, est-ce qu'on a un facteur héréditaire? Est-ce que ou t'es passé des médicaments ou t'as pris pendant au moment de ovulation et fécondation? Hein? Maintenant, ensuite, aucun hormone qui dans premier trimestre de grossesse et que les gagner donc ils ont hauteur utérine que ou pas comprendre. Donc ça veut dire c'est comme si un monde qui est dans premier, dans deuxième, troisième mois et que troisième mois et puis dit un monde qui est dans 6 mois parce que pour grand pour gens ouais votre là gros. Et puis si une sympathique grossesse dans premier mois yo augmenté en pile parce que nous connaît que c'est deux être capable développer et bien donc c'est à dire et besoin yo vient augmenter et aussi donc c'est à dire que par rapport avec espace yo tout augmenté dans bien malaise yo plus pour fia dans début grossesse là. Maintenant pendant dernier mois encore c'est ventre là ventre qui vient de ou bien 3 donc ça dit son ventre qui gagne en grosseur donc normalement qui augmenté. Ensuite l'on palpé ou capable l'on palpé main et ventre là on va voir plusieurs dos bien plusieurs têtes et l'on ausculté on attendait plusieurs bruits cœur qui bat mais c'est ça qui met au sous piste gagne en grossesse multiple. Ça va priver tout, c'est après accouchement, on premier jumeau, et que ouais, ventre là toujours été gros. Ensuite, l'on palpé ou senti un deuxième bébé, et on s'est capable de gagner un deuxième poche des os que la donne. Donc, c'est une situation ça. Et puis, donc, on monde qui gagne une grossesse multiple, donc, ce versant, depuis le premier mois jusqu'au troisième mois, mais ce versant supposé fait par échographie, supposé fait pour être capable de contrôler bien-être simon, comment yo y est. Et puis qui éventuelle complication qui ça qui développé par rapport avec ça qui a développé à l'intérieur de cette personne. Donc nous dit que grossesse multiple lui-même il y a un peu de risque. Il y a des risques pour maman tout comme il y a des risques pour Simon. Risque pour pré-éclampsie ou bien éclampsie, il est très augmenté comme risque comme complication pour maman. Et bien risque ça est très augmenté parce que assez souvent il y a une augmentation pression artérielle maintenant et maintenant ça à la base de augmentation pression artérielle là ça fait que donc maintenant par compression les deux fœtus et bien à quantité sang y a besoin et bien ça fait organisme maman il travaille plus et bien tension fille capable augmenter il y a l'autre facteur qui a fait ça et qui nous dit que tension les tensions fille augmenter pendant grossesse là et bien ça augmente risque pour gagner pré-éclampsie ou bien éclampsie. Deuxièmement il est capable gagner pour maman quand maman capable venir anémier parce que il pas gagné assez de fer parce que ti moun yo même
si ça gagne, yo puisel. Yo puisel parce que yo même faut que yo à l'aise. Donc yo pas besoin qu'on ait problème maman, mais yo même yo faut que yo à l'aise. Donc si ça yo réserve yo jeune, yo conserve, yo prend. Donc maman, laisse ça maman besoin augmenter à poli parce que pour les capable souffrir des anémies. Il y a un risque augmenté d'hémorragie qui augmente quand maman. OK? Gagne menace d'accouchement prématuré, ça arrive tout monde ça parce que pas compression. Donc dans cavité, et bien capable faire pression sur col là plus bonnet que possible. Donc pour y demander sortir sans que l'air peut arriver. Ensuite, nous gagne pour petit monde aussi, gagne des risques pour petit monde. Pour maman toujours nous gagne avortement spontané tardif. Donc c'est-à-dire donc fille qui est arrivé dans toi, c'est là ça dit parce que donc lorsque des fœtus a augmenté, soit c'est col là qui était ouvert, et bien nous dit que depuis col là était ouvert, et bien ça à la base ça capable à faire un avortement. Ça capable rendre fille à gain décollement placentaire, placenta capable décoller tout ça. Et mais risque pour césarienne dans les très augmenté aussi avec les grossesses multiples, ça dépend des positions yo et des poids yo, il y a différents facteurs, donc taux césarienne dans augmenté avec grossesse multiple. Ensuite, nous dit que il y a des cas même il est capable retirer matrice après un accouchement comme ça parce que il y a des situations qui demandent des interventions rapides et urgentes, donc c'est-à-dire monan qui des fois il est capable recourir avec un sanrelé hystérectomie d'hémostase, donc si conseillement, donc c'est-à-dire après c'est que c'est capable c'est utile aussi retirer pour capable empêcher saignement ça continuer. Maintenant pour timon yo qui complication ka gen pour timon c'est que timon yo gen risque pour fait prématuré pour fait pulmonaire que là il doit fait gen risque aussi pour capable déchirer membrane yo plus bonnet que possible. Gen risque yo capable mourir pendant yo en dedans, mort fœtale in utero, yo capable en souffrance fœtale. Ensuite, nous capable gagner des jumeaux à coller, jumeaux siamois. Gen sanre le syndrome transfusé et suit, nous gagner jumeaux évanescents. Nous dit que syndrome transfusé c'est que c'est deux jumeaux qui a développé dans cavité utérine là. Et que donc gen yon normalement qui puiser toute ti réserve qui gagne à travers l'autre là. Et que l'autre là lui-même lui a fini. Maintenant pour transfuseur là, ça veut dire le donneur, eh bien pour lui-même cap balan, il gagne risque pour lui pas grandir, retard de croissance intra-utérin, gagne lui capable souffrir de oliguries, il doit pas gagner assez urine, donc il capable souffrir d'insuffisance rénale, tout comme il capable lui-même capable pas gagner et assez de liquide qui entoure. Ensuite, il capable anémier, alors que lui-même le transfusé, lui-même qui a recevoir. Donc lui-même il est capable gagner la nous son gros bébé il est capable macozo. Ensuite lui-même en toute déficience et transfusion à gagner et puis lui-même il recourir avec besoin ça et bien ça qu'on arrive lorsque yo fait et bien le plus souvent donc le transfuseur lui-même qui t'a balancé c'est que le plus souvent il mourit avant. Maintenant pour l'autre complication qui gagne pour timon dit jumeau évanescent c'est que gagne deux timon yo t'a évolué et que pour une raison pour l'autre gagne qui mourit. Et bien ça qui mourir lui-même ça pas va le faire l'autre là pas suspend grandir l'autre là continue grandir et que parce que depuis pas gain risque pas élevé pour infection tout ça parce que pas gain aucune membrane pas gain rien d'ailleurs qui rentrer donc c'est-à-dire ça qui en forme là l'a développé comme si rien n'était. Mais cependant il y a besoin qu'on ait ça et que donc spécialiste qui a fait prise en charge là aussi il suppose qu'on ait tout risque qui gagne donc pour capable faire délivrance via dans un lait qui record pour capable et sortir de complications éventuelles qui viennent. Oui, mesdames et messieurs, c'est Yon Galibo avec Dr. Frickson en Léon Capaline de grossesse multiple. Nous allons commencer pour quelques questions, Yon premiers amis. Salut tout le monde, moi dis merci à Dr. Léon. Docteur Léon, est-ce que au cas dit non exactement alors si c'est possible combien de temps est ouvert la fait ou était ouvert après premier spermatozoïde la fin rentrer la dernière combien de temps le fait ouvert avant qu'il ferme pour empêcher l'autre spermatozoïde rentrer la dernière et phénomène 2 ou bien 3 timon qui grandit en dans ouvert là. Qui phénomène ça y est? Est-ce que spermatozoïde yo a tout collé? Est-ce que c'est yon qui rentre en retard pendant ouvert la poêle fermée? Qui phénomène ça y est? Si on a une possibilité, ben non, yon ti idée, s'il vous plaît. La prenons une autre question pour Dr. Liang. Docteur, comment nous y est? Comment tout le monde y est?
et qu'on y a moi c'est en dévotion et moi-même et en question à poser docteur m'ta souhaité que vous répondez moi toutefois que vous capable parler de F-hétérozygote et vous voulez dire comme ça que les timonans sortis dans patrimoine héréditaire différent est-ce pas comprendre est-ce que logiquement parlant vous voulez dire comme ça que on m'a ça qui fait ça qui arrive m'a ça pour deux papa parce que m'pas bien comprendre sauf que moi comme ça me comprendre est-ce que ça qui arrive yo dit comme ça que maman fait démarrer ça pourtant démarrer ça ça une chaque bon papa ça qu'on arrive donc on a une question pour docteur Liande grossesse multiple grossesse multiple docteur Liande en cas où yon femme c'est cas de Jacques ou bien cas de vagabond yo fait soulé plusieurs nèg coucher à la fois est-ce qu'il y a une possibilité s'il t'a gagné un père jumeau pour que chaque jumeau ça yo t'a gagné yon ADN différent yon groupe sanguin qui différent et puis pour t'a appartenu à un papa qui différent en cas de RIP ou bien cas de Jacques ou bien cas de vagabond est-ce que il y a une possibilité pour deux spermes de deux différents papas rentrer dans ouvert là dans censé yon lième de seconde ou bien dans quelques minutes et pour tout des gemmes ça yo a grandi en dedans fille pour une baie des petits moun que petit moun que moun pour reler jumeaux et tandis que c'est deux spermes de différents garçons. Docteur Leyand, il n'y a pas de docteur qui t'a voulu répondre à la question ça. Donc on est qu'il est très difficile pour une femme porter un bébé. Il est encore difficile pour porter deux bébés. Il est même très très difficile pour porter trois bébés. Les mon enceinte plusieurs bébés. Par exemple, il y a une femme qui fait 9, il y a une qui fait 7, il y a une qui fait 6, il y a une qui fait 5. Qui ça qui sépare j'aime ça yo qui fait si mon yo pas fait tout coller est-ce qu'il y a différent ouvert qui ouvre pour chaque j'aime ça yo rentrer est-ce que c'est un bloc petit et puis les ouvriers dans ouvert là yo séparé pour compte yo qui ça même qui fait ou pas fait tout coller c'est une possibilité bon on tire de ce problème il y a l'autre question pour docteur Liande. Bonsoir, direct Félix, comment vous allez? Comment nous sommes là, oui, le grand directeur, hein? Le grand. Hein? Comment vous allez? Oh, il y a un très bel sujet là, qui a débattu là. Il faut dire que je suis là, docteur Liande. Je vais écouter docteur Liande faire, téléphoner les décharges, je suis là, docteur Liande, même non, parce que moi, je vais poser quelques questions. Hein? Même question, même qui. Je vais souhaiter que le docteur réponde pour moi là. Hein? Est-ce que, comme il parlait de FFE, théosicode, bah, on aime bien moi, parce qu'on aime bien parler de maintenant. Hein? Il parlait de yon petit, ça veut dire logiquement, je veux dire que yon maman qui doit faire un petit, un jumeau, ou bien un marassa, ou bien le faire plusieurs petits, mm-hmm. qui est petit ça yon pour des papas ou bien trois papas différents. Est-ce que ça compte fait? Nous sommes tous nos voix et qu'on y a fait des voix. C'est la même ligne à la voix. Par exemple, est-ce que tu as dit à si on fait un cas déjà que son fille, docteur Leyanda, je te réponds une question pour nous, même docteur et même directeur et Félix Zinlenoir, si on fait un cas déjà que son fille et toi, on fait, est-ce que par exemple, si fils a une fille et trois petites, par exemple, est-ce que trois petites sont capables pour toi, papa, différent? Ça veut dire trois mounes, chaque mounes a un petit. Et expliquez-moi comment faire les faits comme ça. Je souhaite que je me réponde pour ça. Merci. Même si on t'a mazora dans nom Jésus. Il y a l'autre question pour docteur Liande. Bonjour à tout le monde qui est sur forum de FM, en spécialement à docteur Liande qui est toujours voté pour nous chaque dimanche un bel sujet et de bel sujet sur la santé. Et question pour matin docteur Liande et c'est concernant grossesse multiple pour parler ou bail différents types de facteurs. Et là, moi, je me connais, est-ce que une fille qui n'a pas un cycle régulier, est-ce que fille ça n'est pas probable pour lui
et gagne une grossesse multiple ou pas. Et puis encore, une autre question, et là, on parlait que ça capable arriver que chaque monde a une grossesse multiple et chaque monde a un père différent. Est-ce que c'est ça qui cause des fois de simonio pas identique, un jumeau ou jumelle pas identique? Est-ce que c'est ça qui cause ça? Alors, nous sommes heureux, nous entendons les réponses. Ok? Docteur, qui est prêt à commencer à répondre à la question? Docteur Léon? Moi, ça l'est au directeur Félix, et c'est un plaisir. Donc, question, première question, là, c'est que combien de temps ovule, c'est ovule, là. Donc, il y a deux ovaires et ovaires, chaque ovaire sécrète un ovule, donc en général chaque mois. Et que les spermatozoïdes lui-même, les gagnent, et pour les remonter jusqu'à trompe de Fallopio, ensuite pour les capables en contact avec ovule, qui est ovaire libéré. Contrairement avec garçon, fia li gen un nombre d'ovules qui limité. Donc nombre d'ovules fia yo limité, donc c'est-à-dire fia li gagne, donc c'est ça qui fait à partir de 40 ans, 45 50 ans. Donc fia li rete l pa gagne règle encore. Donc c'est ça le nombre d'ovules yo li fin épuisé. Et garçon même qui gon nombre de spermatozoïdes qui là pour toute la vie, donc qui est différent par rapport avec fia. Mais cependant, donc c'est-à-dire chaque mois, il y a les organismes qui les préparer pour recevoir un petit mois. Et exactement, il n'y a pas de place pour deux. Mais cependant, pendant dans le cas de cas de chaque jour, donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité pour deux spermatozoïdes de rentrer? Donc ça, pour ne pas dire qu'il n'y a totalement pas existé, mais donc pour gagner deux spermatozoïdes qui rentrent. Mais c'est, même si l'erreur, mais ça qu'on arrive, il y a deux spermatozoïdes qui sont capables de rentrer. Mais ovule, normalement, il est là pour recevoir un spermatozoïde et uniquement un spermatozoïde. Donc, c'est-à-dire, à la minute que, à l'instant même que le spermatozoïde a fini de rentrer, d'ailleurs, le spermatozoïde qui a différentes parties, qui a tête, qui a corps, qui, ensuite qui a acosome, qui a queue et puis flagelle, il y a quatre parties là-dedans. Donc, c'est-à-dire, les fins rentrées et que ovule les ferme à l'instant même et que tout reste bagaille va passer et que tout reste qui pas qui est en pressé il a frappé dehors mais il n'a pas privé exactement dedans. Mais cependant ça qui connait arriver encore, donc c'est à dire c'est après que green up ça fait développer, c'est là donc normalement si un risque pour grossesse multiple est capable de transformer à l'intérieur, mais c'est pas deux spermatozoïdes qui rentrent qui fait fia vin gagner deux cellules, deux fœtus qui a développé en dedans. Maintenant, ovule lui-même, il a une durée de vie de 24 à 48 heures, alors que spermatozoïde là, il a une vie de 48 à 72 heures. Donc ça, c'est-à-dire, donc il doit faire cas de chaque fois maintenant depuis le vendredi, alors que lui-même il a ovulé le dimanche. Eh bien, dans tout spermatozoïde ça, si c'est un spermatozoïde qui est de qualité qui répondent, parce que il y a des critères spermatozoïdes là répondent pour capable arriver féconder pour capable arriver rencontrer ovule là, et bien ça capable arriver donc quoi que quand Jacques là 3 jours à l'avance et que après il vient enceinte malgré les pas ovuler, c'est situation ça qui capable arriver. Donc mais il est pas possible vraiment, donc c'est une situation qui est extrêmement rare, donc qui est pour deux spermatozoïdes rentrer dans un ovule. Mais généralement à l'instant même un spermatozoïde qui rentre depuis le joignon les mêmes les satisfait. Moi te réponds pasteur m'a toujours aimé. Docteur Léon a répondu à une autre question. Doc, oui, phénomène ça fait les super fécondation. Donc les qu'on rêve, comment les rêver les mêmes super fécondation, c'est que donc on est fille à les gagner un nombre d'ovules qui est limité, mais ce qui est sous des médicaments pour stimuler ovulation. Il y a des monde aussi qui ne doit pas être enfanté. Donc, ils ont utilisé des méthodes de procréation médicalement assistée. Donc, ils ont pris un ensemble de spermatozoïdes, ils ont intégré directement. Donc, ils ont fait le début de yo. Ensuite, ils ont mis. Donc, dans cette situation, ça, on fait que
capable de gagner plusieurs ovules qui fait gonder avec plusieurs spermatozoïdes. Il est capable de gagner même papa ou bien capable de papa différent. De ça, nous parlons de super fécondation hétéroparentale. Donc, situation ça arrive, c'est l'œuf qui a en lieu de place pour libérer yon ovule. Donc, il vient libérer deux ou bien trois. Ensuite, il y a des rapports sexuels qui rapprochent, soit avec même monsieur ou bien avec des messieurs différents. Eh bien, situation ça, il est capable de vivre. Dans ce cas, nous parlons de super fécondation. Et dans situation ça, on est capable de vivre deux jumeaux et puis yon pour chaque papa différent. 16-08, docteur Léon, d'après pour nous, qu'on y a, doc. D'accord. C'est toujours un plaisir, chaque fois qu'on est autour de nous. Qui pas un cycle régulier, est-ce qu'il y a une grossesse multiple? Oui, ça peut arriver parce que la grossesse multiple ne dépend pas de cycle vraiment. Parce que cycle régulier, donc c'est que c'est un fait qui ne doit pas connaître qu'il est enceinte ou pas. Mais histoire de est-ce que les gagnants est-ce que les a bien une grossesse multiple, donc ça dépend des différents facteurs de cette cité là. Mais cependant, puis à nous dit que maintenant les on fait qui pas gagne cycle régulier, donc ça veut dire super fécondation est difficile pour phénomène ça t'a produit là Kali. Donc c'est à dire pour gagner des pères qui est différent, donc les mêmes les très pas probable parce que, mais cependant, si puis est sexuellement actif et que l'état libérer deux ovules en même temps, ok, libérer plusieurs ovules et puis un rapport sexuel qui va approcher, mais chaque ovule ça a une possibilité pour rejoindre des spermatozoïdes qui sont en contact avec eux, et bien situation ça est capable de produire dans sens ça, grossesse multiple capable de produire dans sens ça avec des pères qui différents, mais cependant encore qui là, mais cependant nous connaissons l'existé. Et en termes de jumeaux identiques et jumeaux qui pas identiques, donc ça va dépendre de nous dit que si c'est pour même papa et que fécondation en fait en fonction de les divisions en fait, et bien les ça nous capable bien jumeaux ou bien nous gagner faux jumeaux, mais c'est pas cette situation ça qui va faire ou capable parler de vrai jumeaux bien faux jumeaux bien jumeaux vrai jumeaux bien jumeaux identiques, d'accord. Et à ajouter dans ça, c'est que même si c'est ovule c'est organe qui a porté et puis qui libère ovule comme gonade féminin, donc c'est gonade femelle qui c'est ovule qui libère ovule comme cellule sexuelle. Mais cependant notez que donc c'est-à-dire même si pour ça qui arrive c'est parce que c'est le premier nègre qui passe à qui rentre, parce que donc nous on est pour nègre capable de cette fille. Donc, si on a besoin de l'eau, donc normalement, si vous avez une quantité liquide qui est environ 5 la quantité. Ensuite, dans ce matosoïde qui la donne, il faut qu'il soit capable de gagner environ 120 millions. Et dans 120 millions, il faut gagner 90 millions qui est performant. Donc, dans la quantité de ce matosoïde, il faut qu'il soit capable de gagner 40% de forme qui est mobile, qui est capable de bouger. Parce que, et ce matosoïde, à la minute que il finit la guerre d'un vagin, et puis il y a un contact avec matrice, et bien pour qu'il y ait une force, pour qu'il y ait une puissance pour capable monter et puis pour la rejoindre, pour la rejoindre trompio, pour le rejoindre et au mais c'est pas une puissance, mais tout bien forme qui a normal, nous disons que qui normal, c'est des formes qui a normal, quand c'est des formes qui a normal, donc yo pas et bien ça qui arrive, c'est soit c'est deuxième nan, troisième nan, quatrième nan qui passe. Mais normalement c'est un grain spermatozoïde qui arrive rentrer donc nan ovule là. Et à la minute qu'elle rentre, et bien c'est fini. Donc c'est à dire quel que soit donc grossé appareil, ça va faire un impact vraiment, parce que donc non seulement il pas en contact avec ovule là, et puis cellule là même à la minute qu'elle est en contact direct avec yon spermatozoïde et que il ferme et il ferme définitivement, c'est ça. Donc, docteur Léon, nous remercions. C'était un plaisir pour nous te recevoir aujourd'hui. Hein? En pile information sur ça qui a rapport avec grossesse multiple, monde qui enceinte plus que yon bébé. Donc, en pile amis, nous sentis que vous êtes satisfait également dans la question qui te répond et la question qui te pose. À tous nos amis, merci.
Nous espérons que vous passez le reste de ce jour très bien. Et c'est un plaisir de vous accompagner. Des moments inoubliables, baby. De Twitter, de Facebook, step by step, baby step. Et les amis qui nous reçoivent sur les deux sites, yeah, we getting there, yeah. .com et radif.org. C'était un plaisir de vous accompagner. See, yes, we getting there. Merci à ceux qui nous reçoivent au 712-42-28-93. Avec vous, c'était moi, Ginal Félix, et j'ai eu le plaisir de se vous rendre aujourd'hui. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un bonsoir, un bonjour, un bon après-midi. Alors, pour me parler, c'est le 786-462-93-64. Moi, un email à ginal@commercialduicefm.com. Allez, on se retrouve un autre jour pour une autre affaire. La, 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 la. Avec vous, c'était moi, Ginal Félix. Pour parler avec moi, c'est 786-462-93-64. Ou bien, vous pouvez vous envoyer un email pour moi, ginal@commercialduicefm.com. Entre temps, nous finissons la jeudi. Nous avons croisé un autre jour, un autre lait, un autre moment, ou un autre plus bon bagaille. Merci encore, Dr. Léandre. Et merci à tous ceux qui nous ont prêté l'audition. With love, we can make miracles happen. With love, with love, we can make miracles happen. With love, love will happen. With love, oh. With love, we can make miracles happen. Radio Joseph FM. With love, we can make miracles happen. With love. With love, we can make miracles.